La catastrophe évitée de justesse cette nuit dans le canton de Vaud. Une alerte toxique a été déclenchée ce matin à Satigny dans le canton de Genève. Genève paralysée ce matin. Cette fuite d'acide chlorhydrique qui a mobilisé les pompiers genevois la nuit dernière. Avec cet important incendie qui a ravagé cette nuit un entrepôt de démolition de Satigny dans le canton de Genève. À Genève, un homme est décédé hier soir dans l'incendie d'un appartement de la commune de Bernay. Les sapeurs-pompiers ont lutté jusqu'au petit matin pour tenter de maîtriser le feu et éviter sa propagation aux habitations. À Genève, le niveau de larves atteint un niveau historique, le plus important depuis 1935. C'est un incendie dans l'entrepôt d'une entreprise de recyclage et de tri des déchets qui est à l'origine de cette fumée. Une fuite d'ammoniac a causé un vent de panique ce matin à Genève, à la faculté des sciences. Les pompiers ont été mobilisés ce matin du côté d'Erlaville. L'alerte chimique a tenu en haleine les services de secours toute la journée. Les bâtiments de Sciences 2 et Sciences 3 ont été évacués. L'actualité du jour marquée par le crash d'un petit avion privé. C'est du jamais vu. Un débit 12 fois supérieur à la moyenne. À 10 cm près, l'arve débordait ce week-end. Il est 22h hier soir quand un appartement au deuxième étage de cet immeuble est la proie des flammes. Plusieurs voisins lancent l'alerte et près d'une quarantaine de sapeurs-pompiers sont déployés sur place. Le feu, impressionnant, la fumée encore plus. L'incendie qui a eu lieu cette nuit dans ce centre de tri de déchets en inquiétait plus d'un. On a évité le pire. 5 wagons renversés de chaque côté de la voie ferrée, certains dans le fossé. Premier sur place, les pompiers ont mobilisé une cinquantaine de spécialistes pour sécuriser les lieux. Si le matériel a évolué, la profession s'est aussi complexifiée avec les années. Contrairement à une idée reçue, les incendies ne représentent que 10% des interventions. Les 147 hommes du SIS sont appelés lors d'une multitude de situations, produits bactériologiques ou chimiques, secours dans les eaux ou en hauteur, ou encore les accidents de la route. Devant la RTS, l'arve menace de sortir de son lit. Face à cette situation, les pompiers mettent en place des sacs de sable et des palissades. À 9h10, le débit de la rivière atteint 905 m3 par seconde, soit 12 fois plus qu'habituellement. Il s'agit même d'un record depuis les premières mesures en 1935. Nous suivons l'évolution de la crue de minute en minute et prenons les mesures qui s'imposent. Il était un peu plus de 19h30 lorsque le feu s'est déclaré dans cet entrepôt de démolition. Très vite, une importante colonne de fumée se dégage, alertant les riverains. En quelques minutes, plus d'une cinquantaine d'appels sont passés aux pompiers. L'intérieur de l'entrepôt en feu contenait des véhicules, des fûts d'hydrocarbures. Ces fûts et ces véhicules, ces réservoirs ont été percés et nous sommes confrontés à un écoulement important d'hydrocarbures dans les zones d'extinction. Un trafic complètement saturé par plusieurs facteurs. La première, une collision sur ce pont en plein centre-ville. Peu avant 7h, une voiture et une camionnette de livraison percutent un autre véhicule arrivant en sens inverse. La circulation est immédiatement fermée. Un incendie ce midi s'est déclaré derrière la gare à Genève, dans la rue Fent. Le feu a pris dans les combles d'un immeuble. Nous avons été appelés à 11h48 pour du feu qui était sur la toiture de l'immeuble qui est derrière nous. Un sinistre qui a été maîtrisé en moins d'une heure, pas de blessés ni d'intoxiqués à signaler. Les hommes du feu ont dû ensuite sécuriser la toiture en la découpant. C'est à minuit et demi qu'une alarme automatique d'une station des services industriels s'est enclenchée. En cause, une fuite de 5000 litres d'acide chlorhydrique qui se sont échappés d'une citerne. Nos équipes vont pénétrer dans le local, vont mettre en place un dispositif de pompage afin de récupérer cet acide et de le mettre dans une citerne qui est positionnée à l'extérieur du bâtiment. Un incendie a éclaté ce matin dans l'usine d'incinération des Chenevières à Erlaville. Des déchets ont pris feu dans un broyeur. 26 intervenants et 14 véhicules ont été mobilisés. Six micocouliers malades ont dû être abattus d'urgence la nuit passée, une opération d'envergure. Les flammes n'auront rien laissé de l'entreprise de recyclage RVM située à la route de Satigny. L'incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi. Explosion, fort dégagement de fumée et bâtiments effondrés, l'intervention d'une trentaine de pompiers aura été nécessaire pour maîtriser le feu. Un violent feu de comble a pris ce mardi en début d'après-midi dans le quartier genevois des Tranchées à la rue Massot. Le sinistre a ravagé un appartement. L'immeuble, qui abrite notamment une clinique, a dû être évacué. Heureusement, aucun blessé n'est à signaler. Combinaison étanche et masque à gaz, la zone industrielle de Satigny a pris des allures de quartier retranché ce matin. Aux alentours de 10h, une fuite est repérée dans l'un des camions de cette société de transport. 5 personnes étaient contrôlées, qu'elles auraient pu être en contact avec le produit. Elles ont été évaluées par le médecin sur place. Elles ont pu repartir sans problème pour leur santé.
De leur côté, les équipes de décontamination étaient à pied d'œuvre pour tenter de contenir la fuite et d'isoler le produit toxique. Un restaurant détruit par un incendie ce matin à Plan-les-Ouates. La maison d'Arar a été la proie des flammes vers 9h. Les pompiers ont mis 2 heures à circonscrire le sinistre qui aurait été déclenché par un barbecue. Personne n'a été blessé. Dès leur arrivée, les pompiers découvrent que ce sont plus de 90 kg d'ammoniac qui s'écoulent d'une pompe à refroidissement située au sous-sol de l'université. Un produit instable et très dangereux pour la santé. Ces images semblent être celles du crash du petit avion de type Piper qui s'est écrasé à midi sur la commune de Bernay. Arrivés sur place, police et pompiers ont sécurisé les lieux. Le pilote est lui décédé dans l'accident. Nous avons engagé 35 secouristes, une vingtaine de véhicules, dont 2 ambulances et un hélicoptère. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'information principale du jour. Le service d'incendie et de secours effectue près de 10 000 interventions par année à Genève. Ce service de secours professionnel vient en aide à la population en cas de sinistre ou de toute autre demande de secours sur le territoire cantonal genevois. Au nom de toute la rédaction, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, au revoir. Suivez le SIS en images sur notre chaîne YouTube et sur www.pompiers.ch.